Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler zéro, on va parler dizaines, centaines de milliers d'euros jetés en l'air pour le plus grand plaisir de Lilith. On va parler méga KVK bien évidemment également. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, les amis. Pas d'excuses pour ne pas nous rejoindre, pour ne pas encore être sur le Discord de la chaîne. Les amis, donc je vous le disais en intro, on va parler zéro. Ça fait très très mal ce KVK, le 12-54 face au 13-65 et au 18-46. Hein, évidemment, il y a le 1945, hein, il y en a d'autres, le 15-25 et bien d'autres. Mais les principaux acteurs sont bien ceux-là. Et vous allez voir, on a un magnifique zéro d'un joueur DTR. On va aller voir son compte après. Hein. Un joueur DTR qui s'appelle Avid. Et lui, il a pris cher. Alors Avid, rien à voir avec Arvix, hein, pour ceux qui le connaissent. Bien évidemment, ce joueur énorme. Mais regardez ce record de ce zéro. Il a pris tellement cher. Et en plus, hein, c'est un zéro en bonne et due forme. Il a pris un, je crois que c'est un double enchaînement, hein, notre ami Avid. Hein. Il est parti à, il était déjà plus qu'à 90 millions à ce moment-là, sachant que son maximum est à 117 millions, hein, en nombre de morts, 39 352 en kill point, 7,6 milliards. Donc là, on n'est pas sur du petit joueur. Il est chez les HMM, enfin, il est dans l'alliance des HMM, il est chez les TR. Et regardez, on a déjà, qu'est-ce que c'est que cette défense? Il nous a mis YSS en défense et je ne sais pas qui est son binôme en défense. Alors si vous arrivez à voir qui est son binôme en défense, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là au skill, je n'ai pas reconnu. En attaque, il a pris de l'ultra classique. Alors vous le voyez, hein, les mecs n'hésitent pas à le swap. Le 1365, les JST n'hésitent pas à, mais pas que, les BLN aussi, n'hésitent hein, pas à le swap. Hein, notre ami Avid, il prend vraiment du classique. Il prend du rallye Nevsky, il prend du rallye Xian Yu. Franchement, c'est du très très classique. Et puis là, après, quand ils en ont eu marre, ils ont arrêté les rallyes. Vous vous rendez compte, hein, les mecs, ils lâchent les rallyes. Henri 5, ils se sont dit, ça n'avait pas assez de dommages. Ça devait être Henri 5, je pense qu'il était avec Zhu Liang. Là, les mecs, ils y vont et on voit. Regardez au nord, il y a Zhu Liang d'ailleurs, il y a Jeanne d'Arc, il y a Nevsky. Les mecs swarment comme des ouf. Alors, les rapports ne doivent pas forcément, vous voyez, un rallye Xian Yu d'un côté, Henri 5 de l'autre. Les rapports ne doivent pas être ultra, ultra favorables pour notre ami Avid, là. Enfin, pas pour notre ami Avid, pardon, il doit être ultra favorable pour Avid. Il, même s'il s'est fait zéro, il doit quand même avoir des très, très beaux rapports au début. Parce qu'à cette faire swarmer comme ça, sachant qu'il lui restait, quand ils ont commencé à le swarmer, il lui restait plus de 80 millions. Après, vous le voyez, hein, ils sont venus quand même l'aider parce qu'au départ, les GST, on voit bien en bas à gauche, hein, la Murder Ball des GST, si on peut appeler ça une Murder Ball Lama, pour ne pas être dans la zone de défense, notamment de son binôme qui retient sa ville. Mais là quand même, il a pris très très cher. Les mecs n'ont pas hésité, et c'est ça qui est ouf, hein. Les mecs n'ont pas hésité à swarmer comme des malades, mais ceux qui ont swarmé, ils sont dû prendre chacun, franchement, quelques centaines de milliers de morts. Ils ont dû vraiment, vraiment manger. Mais vu que l'enchaînement allait se finir, l'emprisonnement plutôt, allait se finir, les mecs n'avaient pas le choix. S'ils voulaient l'éclater, ils devaient y aller comme ça. Hein. Ils devaient le finir en le swarmant. C'est ce qu'on voit de plus en plus, hein, sur les très gros rallyes. D'ailleurs, en parlant de swap, n'oubliez pas, si vous faites des rallyes archers, notamment avec Boudica et Zhu Liang, si vous ne maîtrisez pas la zone, vous allez vous faire swarmer et vous allez vous faire déboîter. Alors on va aller sur ce KVK justement et on va aller voir où en est notre ami Avid à présent. On va aller donc sur le KVK du 12-54, hein, le C1-18-13. Il est à présent à 25 jours, 8 heures, 26 minutes et 37 secondes précisément. Et regardez
le 13-02 est redevenu Imperium. Je vous le rappelle, il avait perdu son statut Imperium. Il est redevenu Imperium. Alors c'est ultra étrange, hein. Ça veut dire que soit d'autres royaumes qui étaient juste devant eux se sortent du royaume Imperium, soit les mecs créent plus de troupes qu'ils ne se battent. Ça serait ultra étrange. Ce serait qu'un VK aussi gros que celui-là, mais pourquoi pas. Franchement, ça voudrait dire qu'il faudrait peut-être qu'il revoie certaines priorités. Après, c'est tout à fait possible, hein. Les sons comme les docks, hein, sont des joueurs énormes, des très gros spenders. C'est tout à fait envisageable. Alors, fonçons tout de suite et allons voir donc Avid dans quelle situation il est. Est-ce que, sachant que c'est un très gros payeur et que c'est une très grosse baleine, est-ce qu'il se dit vas-y je m'en tape et je recrée tout là comme un gros thug, hein? Ou est-ce que bon bah le KVK il est fini maintenant et je vais aller me reposer, je cherche les TR. Alors normalement ils doivent être dans la coalition avec les SW. De toute façon, on va aller voir tout ce qui se passe sur cette carte, sur ce KVK. Je vais vous montrer quelques screens également. Regardons la coalition. Voilà, on a la coalition. Ouais, ils sont tous bien donnés en tout cas. On va en parler. Membre de l'Alliance. Et on a bien Avid qui est là. RIP Avid. Hein. On a aussi RIP Buta. Sauf, ah, ils ont tous mis des RIP, hein, sachant qu'ils ne sont pas tous fait zéro. Hein, parce que les joueurs, il y en a quand même plus de noms. Ils ont réussi à se mettre pas de noms. Regardez, je sais même pas comment il fait ça. Si vous savez comment le mec a réussi à se mettre sans nom, et ben regardez, on va copier tout de suite son pseudo. On va voir ce que ça donne. Comment ça se fait que le mec il a pas de nom là? On va copier ça tout de suite. Tac. Est-ce que ça? Ben non, c'est vraiment rien comme caractère. On ne peut même. C'est un truc de ouf ça. Si vous savez comment faire ça en commentaire, n'hésitez pas à me. Non, si vous savez comment faire ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est mieux dans cet ordre là. Comme ça, je vous donnerai l'astuce parce que là, pour le coup, j'ai jamais. C'est peut-être via PC qu'il l'a fait, mais j'avais jamais vu encore que ça soit 100 caractères comme ça. Alors, on regarde les membres de l'Alliance, et donc, comme je vous le disais, eh ben voilà, il a toujours pas de nom. Je crois que c'était Kitty, mais non, ils se sont tous mis un RIP, mais pourtant, ils se sont pas tous fait déboîter. Et notre ami Avid, donc, il est à 76 millions. Il s'est fait vraiment éclater pour le coup. Regardons plus d'infos. Il est monté à 41 millions et demi de morts. Ça veut dire qu'il a pris quasiment 2 millions et demi de morts dans l'opération. Hein. Il a bien mangé ses dents. Mais il a dû faire pas mal de dommages aussi en face. Hein. Al-Swarmé, ils ont dû prendre cher. 76 millions, ça commence tout de même à être bas vu de là où il partait. Mais après, s'il fait partie des migrants, sachant que les TR ne sont pas censés migrer, mais s'il fait partie de ceux qui vont migrer, rien d'étonnant parce que quand on regarde de l'autre côté, si on va voir les SW, tac, vous voyez, ils sont descendus sous les 10 millions. Ils étaient à 14 ou 15 millions. Ils s'en vont, tu vois, migration et diplo, c'est ils s'en vont, nos amis des SW. Regardons leur puissance aux membres de l'Alliance, ça doit bien descendre. 71 millions, on a Air Cobra 90 millions, ils sont tous bien descendus. Il n'y a que Shizgul en fait qui n'est pas encore descendu, mais bon, Shizgul il s'en tape, hein. Il va mettre des gros coups de CB grâce à Lilith, hein, et il va migrer sans problème. Mais ils ont bien diminué en puissance. C'est assez impressionnant de voir comment ils donnent tout. Justement, en parlant de tout donner, regardez, j'ai quelques screens à vous montrer. Vous allez voir ce qui s'est passé. Alors, désolé, la qualité elle est un petit peu éclatée sur ces screens que je vous ai récupérés. C'est des photos d'écran, franchement. Les mecs, ils pourraient faire des captures tout simplement. Regardez quand les portes ont ouvertes, hein, ce que les batailles ont donné en masse. Et je suis étonné qu'il n'y ait pas eu de crash du serveur. Pour une fois, les serveurs de Lilith ont tenu, c'est assez énorme, hein, cette vague massive. Regardez ça, les trois blocs là qui s'affrontent, c'est énormément de joueurs. C'est alors évidemment, si on zoome à ce moment là, ouais, ça lag. C'est pour ça, quand vous observez, je vous ai souvent donné cette astuce, hein, pour voir. Alors, les petites sortes de losanges, ça s'appelle des chips. Pour voir bien les troupes qui s'affrontent, le mieux est de dézoomer comme ça, légèrement. Comme ça, vous voyez bien les blocs et vous voyez surtout la masse qui part au nord. Je vous fais souvent ça quand je vous commente des matchs aux Iris. On voit bien comme ça au niveau du tombeau qui va gagner. On voit bien le nombre de joueurs qui vont repartir là au nord, qui vont repartir à l'ouest et qui vont partir au sud. Et ça donne une idée de qui domine. Quand on voit la taille du bloc, bien évidemment, là, des oranges, donc des alliés, des bleus et des bleus, on se doute bien par rapport à la taille du nombre d'adversaires
que c'est les bleus et les oranges, hein, l'Alliance, hein, qui a réussi à prendre la zone, même si les combats étaient énormissimes. Et je parle bien à ce moment-là, hein, évidemment, parce qu'après, ça a pas mal évolué. Et d'ailleurs, ça a évolué tellement que le 1365 a réussi un exploit assez impressionnant. Je vous le disais, le 1254 paraît imbattable, mais le 1365 avec le 1846, évidemment, le 1846 fait également un taf de ouf. Eh bien, les mecs ne lâchent rien et ils ont regardé, réussi à poser une forteresse, hein, au milieu du terrain du 1254, tranquille, et en plus de la poser, ils ont réussi à l'amener au bout de la construction. C'est pas juste la poser. Les OG l'ont posée, ils l'ont construit. Elle était à 88% au moment du screen, mais elle a été au bout. Les TR et leurs alliés, les SW notamment, n'ont pas réussi, les TR2, les fers, etc., n'ont pas réussi à détruire cette forteresse durant sa construction. Donc c'est assez énorme ce qu'a réussi à faire le 1365 face au 1254. On va s'intéresser à présent, les amis, au terrain, à la position, ce que ça donne aujourd'hui. Alors je vous ai fait une vidéo, le 1254, hein, invincible. Est-il réellement invincible? Vous avez vu, ça a bien descendu en puissance du côté de l'Alliance, puisqu'il n'y a que les TR qui sont toujours à 15 millions, les autres sont sous les 10 millions. Allons voir du côté de la coalition du 1365, on va voir ce que ça donne, c'est les bots évidemment. La coalition, ils sont à 13 milliards 6 pour les GST, ça a bien descendu. Je crois qu'ils ont perdu 4 milliards les GST. Les OG, 11 milliards 2. Et puis après, hein, c'est beaucoup plus bas. 8-6, 8-6, 7-3. Mais ça reste plus élevé que du côté du 1254. Et regardons les derniers gros impériums, le troisième gros impérium de ce KVK, à savoir le 1846. Énorme. Il fait un taf de ouf, le 1846. Sur ce KVK, 12 milliards 6, ils ont bien perdu, hein, les Weeb, c'est eux qui, je crois, qui avaient la plus grosse alliance. L'élite, 10 milliards, et puis les autres, ils se sont fait déglinguer en puissance. Vraiment impressionnant, les chutes de puissance, je vous le disais, Lilith se frotte les mains sur ce KVK. Ils prennent un max de cash. Donc regardons ce que ça donne en zone Île-de-France. Si je dis pas de bêtises, on est bien en Île-de-France. Regardez ce Rise of Fortress, regardez combien on a de forteresses. 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33, 35, 37, 39, 41. Il y a 42 sur l'écran, là, il y a 42 forteresses, les amis. C'est pas un record, le record est un tout petit peu plus de 50 détenus par les boss, le 1093, hein, mais 42 forteresses, c'est déjà des malades. Regardez, donc on a un mur de forteresses, hein, sur cette zone-là, mis notamment par les HMB1. On a derrière un mur des DIH du 1846 aussi. De l'autre côté, on a les TR qui ont mis juste une forteresse là. On a les Ducks aussi, hein, qui sont mis là. Ils se préparent là sur l'ouverture de ces portes de niveau 7 qui seront juste, entre guillemets, juste une jointure puisque ce qui les intéresse, évidemment, c'est l'ouverture d'Orléans, hein, qui pour le moment est fermée, qui va arriver dans quelques jours. Assez énorme sur ce territoire-là. Mais regardez, hein, en Île-de-France, au final, je vous disais, le 1254 qui était en train de gagner cette zone-là, eh bien, le 1254 s'est fait repousser entre le 1365 et le 1846. Ils ont réussi à les remonter totalement ici. On n'est plus à la moitié du terrain. Hein. Regardez, ils ont bien avancé. Ils vont les repousser. On pourrait croire même qu'ils vont les repousser au niveau de la porte. Hein. Regardons, en tout cas, leur objectif est bien évidemment de défendre cette zone-là, puisqu'ils veulent conserver l'accès à la porte. Hein. Tout l'enjeu est là, cette porte-là, de cette porte 6, le 1254 veut garder l'accès. C'est bien pour ça qu'ils ont fait un mur de forteresse. Mais est-ce que ces forteresses brûlent ou pas? Eh bien, elles brûlaient, elles ne brûlent plus. En tout cas, ceux qui sont là sont pas super sereins puisqu'ils sont tous sous bulle. C'est normal, ils ont perdu le terrain. De l'autre côté, les Q7, hein, certains sont sous bulle, d'autres tiennent bien le terrain. Qu'est-ce que ça donne sur le côté là? Regardons si ça brûle. Là, ça ne se touche même pas. Là, ça se touche ici. C'est ici que ça se touche. Et du coup, est-ce que l'un des deux camps brûle? Est-ce que ça brûle? Non, ça ne brûle ni dans un sens ni dans l'autre pour le moment.
assez énorme ce front 1. Les 46F tiennent bien. Enfin, c'est une alliance, hein, une sub du 18-46. Bon, ça brûle cette sub. Vraiment une très grosse zone tendue sur Île-de-France. Aucun des deux camps lâche. Mais retournement, selon mon point de vue, léger retournement qui donne l'avantage au 13-65 et au 18-46. Même si tout va se positionner, hein, à Orléans, puisque pour le moment, on a deux portes en Île-de-France. Hein, une qui est détenue par le 12-54, une qui est détenue par le 18-46 et leur allié le 13-65. De l'autre côté, regardons de l'autre côté les autres portes, hein, sur le camp, évidemment. Alors là, on est en Maine, non, on est en quoi? On est en Touraine. En Touraine, évidemment, le 12-54, hein, fait le même taf avec les SW. Mais là, en revanche, en Touraine, l'avantage a tourné à l'inverse, a tourné légèrement en faveur du 12-54. Il y a aussi un mur de forteresse. Alors, est-ce qu'on bat leur corps de l'autre côté? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 46 forteresses, hein, sur ce screen. 47, 48 même forteresses sur ce screen. Donc ouais, on éclate le nombre de forteresses de l'autre côté. Juste, elles sont moins tassées, donc c'est moins impressionnant. On a un front réel là, vous le voyez, hein. On a les BLN2. Est-ce que leurs forteresses brûlent au BLN vu qu'ils sont tous en shield? C'est probable. De l'autre côté, les SW, vu la chute de puissance des SW, ça a brûlé. Mais c'est en réparation. Franchement, on a un KVK qui est une vraie dinguerie. Mais on a l'air d'être là sur un petit statu quo. Ça a l'air d'attendre à présent l'ouverture de Orléans, de la zone centrale, pour ce fight. Les deux camps ont exactement le même nombre de portes, hein. Il y a 6 portes autour d'Orléans, si je ne dis pas de bêtises. 6 ou 5, non, il y a 4 portes. Il y a 4 portes autour d'Orléans. Chacun des camps en tient 2. Ça va être énormissime, cette ouverture, les amis. Évidemment, on va la suivre. Évidemment, je vous montrerai les meilleurs rushs, les meilleurs moments de cette ouverture. Mais ça promet du très, très lourd. On a un autre KVK énorme à suivre, hein, le 10-93. Je vous ferai une autre vidéo où on en parlera, le KVK du 10-93 face au 13-07. C'est également énormissime ce qui se passe sur ce KVK. Là, vous le verrez, on regarde, hein, en zone Auvergne ce que ça donne aussi, mais ils sont toujours un petit peu bloqués, même s'ils ont réussi à s'évader. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Lilith, en tout cas, apprécie les centaines de milliers d'euros que donnent toutes ces baleines, hein, pour remplir leur compte en banque. Ça fait toujours plaisir à Lilith. Hein. Si cette vidéo vous a plu, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.